Das deutsch-französische Jugendwerk organisiert eine dreitägige Konferenz mit 100 jungen Leuten aus Marokko, aus Deutschland und Frankreich zum Thema Klimawandel, der Planet in deinen Händen. Das heißt, junge Leute machen sich während der drei Tage Gedanken über den Klimawandel und entwickeln Vorschläge, wie man den Klimawandel stoppen kann und gemeinsame Positionen, die man dann beim Weltjugendgipfel in Paris im November gemeinsam vortragen. L'ADN de ce projet, c'est mettre la jeunesse au centre pour qu'ils incarnent ce principe qui est levier, qui est moteur allophage par les jeunes, pour les jeunes. Donc l'idée, c'est de rassembler le plus grand nombre de jeunes possible et vraiment de les challenger pour qu'ils fassent entendre leur voix, qu'ils formulent les choses d'une manière à ce que les politiques après s'en empare et que grâce à ça, finalement, les jeunes fassent savoir au plus haut niveau politique que quand on parle du climat, on parle de l'avenir des jeunes eux-mêmes. In den letzten Tagen haben wir uns in unterschiedlichen Gruppen, in Workshops aufgeteilt, zu unterschiedlichen Themen gearbeitet. Wir haben uns damit befasst, welche unterschiedlichen Arten der Energiegewinnung es gibt und wir haben gemeinsam überlegt, welche die besten sind, welche wir als die besten ansehen. Da kamen dann Solarenergie und Windenergie raus. Je me suis senti impliqué parce que depuis toujours je me dis que la question du réchauffement climatique est quelque chose de très important et je savais pas comment m'impliquer de façon, comment dire, palpable. Et là, je sens que ce que je fais va avoir un impact vraiment réel sur le climat. Parce que nos recommandations vont passer à la COP21, vont tomber dans les mains des dirigeants et peuvent par la suite devenir quelque chose de réel. Sincèrement, j'ai appris énormément de choses ces derniers temps. Parce que j'avais déjà un petit peu chercher des informations sur le sujet, mais plus concrètement, lors de ces trois jours, j'ai pu parler à des gens, découvrir d'autres choses et j'ai pu faire la distinction entre ce qui se passe au Maroc et ce qui se passe en France et aussi en Allemagne. Et ça, c'était vraiment une expérience assez enrichissante. Auf jeden Fall werde ich versuchen, also werde ich bewusster sein über das, was ich mache. Und ich glaube, ich werde auch meine Familie ein bisschen nerven. Ich werde denen halt auch ein bisschen sagen, ja, mach das und das nicht, weil es ist nicht so gut für die Umwelt und so. Und das sind schlechte Energieformen oder so. Ça a pris un peu plus d'importance, parce que je ne pensais pas que c'était aussi grave. Et ben, essayer de faire des efforts, essayer de dire aux autres de faire des efforts aussi, parce que c'est important. Je suis contente d'être là parce que c'est la première fois que je viens ici. J'ai rencontré des Allemands, c'était une grande première. Du coup, ça m'a permis d'échanger sur ces sujets-là avec d'autres personnes. C'est très enrichissant personnellement. Notre première revendication est d'instaurer un étiquetage universel indiquant le parcours des produits agroalimentaires. Bravo.